Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je propose une petite recette particulière. Il s'agit de faire son mascarpone maison au compas cookélite. Alors, du mascarpone, moi, je m'en sers pour tout. Pour les tiramisu, pour les gâteaux, pour les verrines, accompagner des fruits, enfin, pour plein de choses. Je me sers de la mascarpone. Et je me suis aperçue que la mascarpone, c'était pas donné. Alors que on peut très bien la faire au compas cookélite, ça revient moins cher, on sait ce qu'on met dedans et c'est facile à faire. Je commence par prendre un pot de crème entière épaisse, la crème fraîche. Dedans, il y a 494 grammes, soit 50 centilitres, puisqu'il vous faut 50 centilitres. Je verse cette crème dans le bol du robot. Alors vous mettez tout le pot, hein. Je mets le capuchon, le couvercle et je vous montre le devant. J'appuie sur ce bouton, j'appuie ici deux fois. Je mets 10 minutes. Température, je mets 100 degrés et vitesse, je mets vitesse 2. Donc je mets en route et on se retrouve dans 10 minutes pour la suite des opérations. Quand c'est arrêté, j'ouvre le capuchon ici. Et je mets 20 grammes de jus de citron. Je referme. J'appuie ici deux fois. Je mets 10 minutes de nouveau. Je mets température 90 degrés et vitesse 2. Je mets en route et on se retrouve dans 10 minutes. Voilà, ça y est, c'est arrêté. Je vais l'ouvrir. Je vais mettre ce mélange dans un saladier. Je vais la laisser refroidir à température ambiante pendant 1 heure et dans 1 heure, je le mettrai au réfrigérateur et demain, on retravaillera la préparation. Donc, je vais vous dire à demain. J'ai sorti la mascarpone du réfrigérateur, donc vous voyez, il y a le petit lait qu'il va falloir faire partir. Je prends une passoire comme ceci. Je mets de la gaze. Alors la gaze, je la trouve en pharmacie, hein, pas de souci. J'en mets tout le fond. Donc il vous en faut deux à peu près de morceaux. Je prends un saladier comme ceci. Je mets ma passoire dessus. Et là, je vais verser ma crème. Ensuite, je vais prendre les morceaux de gaze comme ceci entre mes doigts. Et je vais appuyer pour égoutter. Donc, si vous l'ouvrez, vous voyez, vous avez une jolie mascarpone. Je vais la goûter. Elle est excellente. Donc, vous pouvez garder le petit lait pour une préparation. Je reprends ma boîte à crème fraîche qui m'a servi pour préparer la mascarpone. Je l'ai nettoyée. Et maintenant, je vais mettre ma crème à l'intérieur. Comme ceci, je vais faire tomber la crème. Donc voilà, je vais le mettre au réfrigérateur. Je m'en servirai pour une recette dans la semaine. Si vous faites comme moi, que vous perdez le capuchon, vous mettez un film dessus et vous pouvez le garder comme ça pendant 5 jours. Donc, vous voyez, je mets la date dessus. Comme ça, je l'oublierai pas parce que des fois, j'en fais plusieurs. Donc, comme ça, j'oublierai pas la date, je prendrai celui-là d'abord. Et si cette recette de fromage mascarpone vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.